Salut! Partons à la rencontre d'une série. À l'aide d'indices, vous avez 2 minutes pour retrouver le titre. Soyez attentifs à ce que va vous raconter le personnage principal de la série. Serez-vous le plus rapide pour découvrir le nom de cette série? C'est parti! Vous savez, Miami est une ville éclatante, avec ses plages ensoleillées, ses voitures de sport rutilantes et ses palmiers qui se balancent doucement dans la brise. Mais ne vous y trompez pas, derrière cette façade glamour se cachent de sombres secrets. Des secrets que je connais bien. Ma journée commence comme celle de tout le monde. Une tasse de café, un journal et le soleil qui brille. Mais ce n'est qu'une façade, une illusion. Car la nuit, je deviens quelque chose de bien différent. La nuit, je deviens un artiste. Oui, un artiste de la mort. Je me promène dans les rues sombres de cette ville, traquant ceux qui pensent avoir échappé à la justice. Et croyez-moi, ils ne me voient jamais venir. Ma sœur, Debra, travaille pour la police de Miami. Elle pense que je suis le type le plus droit du monde. Et mon père adoptif, Harry, il m'a appris tout ce que je sais sur le code, une série de règles qui me guident dans ma quête pour nettoyer les rues de Miami. Ironique, n'est-ce pas? Un tueur en série avec un code moral. Alors, bienvenue dans mon monde. Un monde où l'humour noir et l'ironie abondent, où la justice est rendue d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant. Vous pensez avoir tout vu? Vous n'avez encore rien vu. Préparez vos scalpels et retrouvez-moi quand vous aurez le Graal. Morgan vous a-t-il fait découvrir cette série policière de 2007? Je vous laisse encore quelques secondes. Il fallait découvrir la série Dexter. À bientôt pour un nouveau Graal.